Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un moelleux au chocolat blanc et ses framboises. Alors, il vous faut 150 g de framboises, 250 g de farine, 50 g de sucre, 150 g de chocolat blanc, 125 g de beurre, une pincée de sel et 4 œufs. On va commencer par faire fondre le chocolat blanc au bain-marie et séparer les blancs des jaunes. Un petit récapitulatif. Quand nous avons séparé les blancs des jaunes, nous allons mettre le sucre dans les jaunes pour le faire mousser et nous allons mettre le sel dans les blancs pour les monter en neige. Là, on voit bien que le chocolat blanc a fondu. Nous allons le mélanger avec le beurre. Voilà notre chocolat et notre beurre qui sont fondus. Là, nous allons mélanger le sucre et les œufs pour que ça soit blanc et mousseux. Quand c'est blanc et mousseux, nous allons y rajouter le chocolat blanc dans cette préparation. Le chocolat blanc étant incorporé, nous allons progressivement en pluie verser la farine et mélanger. Ça va donner une pâte un peu compacte. La voilà. Et là, nous allons incorporer les blancs en neige délicatement. Quand nous avons incorporé les blancs en neige dans un moule qui est beurré et avec un papier sulfurisé au fond, nous allons mettre la pâte. La pâte est mise. Là, progressivement, une à une, nous allons mettre les framboises et nous allons les enfoncer un petit peu dedans. Vous allez voir, ça fait une belle décoration. Voilà, là, il va partir pour 50 minutes dans un four qui a préchauffé à 150 degrés. Le voilà qui est cuit. Alors là, nous allons le démouler directement. Et voilà mon gâteau. On va attendre qu'il refroidisse. On va le saupoudrer de sucre glace et nous allons le présenter pour le dessert. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et surtout partagez. Merci, merci, à bientôt !